présenter le livre Dragon de glace, écrit par Georges Martin et illustré par Louis Rouillon. Adara ne se souvient plus de sa première rencontre avec le dragon de glace. Pour elle, il a toujours fait partie de sa vie. Cette créature terrifiante ne laisse donc son sillage que le froid et la désolation. Pourtant, Adara ne le craint pas car elle est née l'hiver le plus glacial qui ait jamais existé. Mais l'année de ses 7 ans, des dragons de feu venus du nord ravagent le paisible hameau où elle vit. Adara et son dragon de glace sont les seuls à pouvoir ramener la paix et sauver le monde de la destruction. De toutes les saisons, Adara préférait l'hiver, car lorsque le froid envahissait le monde, le dragon de glace surgissait. Elle ne savait jamais si c'était le froid qui amenait le dragon de glace ou le dragon de glace qui amenait le froid. J'ai aimé ce livre car il y avait plein d'aventures, les images étaient très bien faites et il y avait beaucoup d'écritures et j'aime bien, les images étaient jolies et ce livre m'a plu. Moi j'ai adoré ce livre car les images étaient magnifiques, il y avait énormément d'aventures. Moi, j'ai aimé ce livre parce que les images étaient très belles et il y avait beaucoup de suspense. Moi, c'est Noah. Moi, c'est Sacha. Moi, c'est Noé. Lisez ce livre. Au revoir.